Eh bien, bonjour à toutes celles qui vont arriver au fur et à mesure pour mon live de cet après-midi. Alors, donc je m'appelle Prisca Benedetti, démonstratrice Stampin' Up, des cartes pour le dire. Et je vous mets ici le code test, donc le code test qui, je vous rappelle, vous servira lors d'une commande dans ma boutique en ligne. Si vous notez ce code hôtesse, vous aurez donc un cadeau supplémentaire. Donc n'oubliez pas qu'en ce moment, c'est la grande promotion également Celebration. Vous avez grâce en ce moment, donc jusqu'au 28 février, vous aurez le choix à choisir un cadeau ici dans la brochure. Toutes les 60 euros de tranche d'achat. Alors, aujourd'hui, nous allons donc commencer notre petite carte. Je vais commencer par dire bonjour à toutes celles qui sont avec moi. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Et nous allons faire cette carte ici, donc qui est une carte qui peut faire également un album, un mini-album de sac et qui va s'ouvrir comme ceci, de chaque côté. Et en ouvrant ici, vous allez pouvoir mettre des petites photos de chaque côté. Donc ça peut être pratique pour mettre dans le sac à main ou pour offrir comme ça, pour mettre quelques petites photos lors d'une soirée. Vous pouvez également ici l'envoyer en cadeau ou l'offrir à quelqu'un en tant que carte, puisque vous avez ici des emplacements pour écrire. Alors ici, les emplacements pour écrire, soit vous en mettez qu'un et ici vous remettrez un autre papier design pour pouvoir y mettre une autre photo. Soit vous faites avec des photos tout partout. Voilà, c'est vous qui décidez l'utilisation de cette carte, mini. Alors, cette carte, si je ne l'ai pas, elle ne sort pas de mon imagination. C'est un tuto que j'ai vu sur internet de Scrooge Patsy, que je nomme assez souvent. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour aller sur sa chaîne YouTube et vous verrez, elle fait de très belles choses. Donc moi ici, juste, je vais juste vous l'expliquer, la refaire avec vous, plus doucement, etc. Puisque Scrooge a l'habitude de faire juste, c'est juste des vidéos qui ne parlent pas et qui sont assez rapides. Donc voilà pour cet après-midi, qui se range comme ceci. Alors, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin déjà de papier 30-30. Parce que pour faire toute cette longueur ici du corps de la carte, donc il va vous falloir de la bonne longueur. Donc il va vous falloir une base de carte de 30 sur 12,5. Donc dans un ton uni. On va le faire ensemble hein, après, mais qui va plier à 10 et à 20 cm. Donc je vous rappelle, 30 sur 12,5. Ensuite, on aura besoin de deux papiers unis également. Donc là, j'ai pris le vanille, le trait vanille. Donc deux morceaux de 16 sur 9,5 que l'on pliera à 7 et à 14 cm. Donc j'en ai plié un sur les deux et on fera l'autre ensemble. Donc là, il vous en faudra deux. Ça, c'est pour les petits volets qui se déplient. Ensuite, pour écrire donc les petites zones d'écriture que je vous expliquais à l'instant, donc il en faudra deux si vous souhaitez en mettre deux. Vous n'en ferez qu'un si vous souhaitez n'en mettre qu'un pour écrire sur la carte, ou vous n'en ferez pas du tout en uni. Vous les ferez tous cette fois-ci en papier à motif si vous décidez de ne mettre que des photos. Donc, si vous décidez d'écrire ou faire la même que moi, ici, il vous en faudra 2 de 9 sur 6,5. Voilà, je dis bonjour à Laurie qui vient d'arriver. Ensuite, pour le papier à motif, il vous faudra donc 4 morceaux donc de la même dimension que ici, les papiers blancs pour écrire. Hein. C'est normal, ils vont aller au même endroit. De 9 sur 6,5, donc 4 papier à motif, et vous allez ajouter également deux morceaux de 9 sur 1,5. Après, vous aurez également à découper donc deux morceaux
Dans un papier à motif, donc moi je ne l'ai pas encore fait, mais c'est pour, je vous explique, c'est pour ici et de l'autre côté. Donc pour le la couverture des deux côtés et le dos, de 12 sur 9,2. Alors soit le même papier à motif que vous avez utilisé pour ici, quand ça se replie, soit le même, moi ici j'avais utilisé le même, soit un autre papier à motif coordonné. Donc moi aujourd'hui par exemple je vais faire avec deux papiers différents. Donc de 12 sur 9,2. Vous aurez besoin également comment ça s'appelle ça déjà? Des attaches parisiennes, deux attaches parisiennes. Alors peu importe la couleur, puisqu'on ne va pas les voir. Donc, vous pouvez mettre deux attaches parisiennes que vous aimez pas trop. De toute façon, vous profitez qu'on ne les voit pas. Donc il en faudra deux. Il vous faudra quelque chose pour faire des trous. Voilà. Après, un petit morceau de ruban. Donc un ruban qui n'est pas épais. Enfin, qui n'est pas large plutôt. Pas épais, large. Donc ici, vous voyez, moi j'ai du ruban comme ça, il est vraiment très fin. Donc ça, vous l'avez deviné, c'est pour faire les deux petites tirettes ici. Voilà, et puis un tout petit bout de ruban. Bon, moi j'avais mis ici en déco un bout de verre. Donc une petite chute de ruban, hein, on va pas s'emmêler pinceau avec ça, c'est vraiment petit, c'est une déco. Un autre petit bout de papier blanc pour faire l'étiquette. Donc moi ici j'ai perforé avec cette perforatrice là, mais bon ça c'est vous qui prenez la perfo que vous avez chez vous, avec un vœu de votre choix. Une petite déco ici pour la page, la première page, et j'ai mis quelques petits embellissements ici qui vont avec la collection. Donc j'ai utilisé la collection Grue Porte-Bonheur, que voilà, qui est dans le nouveau catalogue. Alors on va commencer par mettre tout ça sur le côté. Et on va prendre son grand morceau. Voilà, ben merci Annie qui vient d'arriver avec nous. Donc on va commencer par ce grand bout. Alors voilà, la carte, ça se présente comme ça. Voilà, donc on va faire ce petit bout, enfin le corps de la carte. Ici, et moi j'ai choisi aujourd'hui un rose pâle. Bonjour à Nathalie. Coucou Nathalie qui vient d'arriver avec nous. Donc vous inquiétez pas si vous êtes en cours. Bon, ça va rester en replay, hein, comme d'habitude. Vous pourrez le faire tranquillement chez vous, tout doucement et à votre rythme. Alors, le papier, ici, cartonné, va faire 30 sur 12,5. Donc bien sûr, un A4, ça ne va pas passer. Donc c'est là qu'il vous faut du grand papier. Du 30-30, hein, comme on a chez nous, chez Stampin' Up, on en a un peu tout partout, vraiment les grands papiers. Donc 30 sur 12,5, donc moi ici, il est déjà préparé celui-ci, 30 sur 12,5. Alors ensuite, vous allez prendre votre coupe-papier, on va se positionner sur les 30 cm, on va mettre en bas l'outil qui coupe et on va mettre en haut l'outil qui plie, puisqu'on va plier. Je vais l'ouvrir. Et on va commencer à plier à 10 cm. Donc on plie à 10 et on plie à 20. Donc ça déjà, c'est très facile. À 10 et à 20. Donc on peut replier ceci. Pour le moment, je vais vous montrer. Vous allez donc le positionner ici sur la table en pliant comme ça vers vous, la première ici en bas en vallée et celle du haut ici en montagne. Voilà. Et la mesure pour Annie, c'est, je viens de le dire, mais j'ai mis mon papier. Le papier, c'est 12,5, 30 sur 12,5. Voilà, 30 fois 12,5. On plie à 10 et à 20. Voilà. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Donc on la place comme ça sur la table. Ensuite, on va commencer à préparer ces petits volets ici. Les petits volets qu'on vient replier. Voilà, mais j'écris pas très bien. Hein.
Alors, on va se préparer deux morceaux de papier. Donc ici, moi, j'ai pris du vanille, comme je vous disais tout à l'heure. Et les mesures de ces deux papiers, c'est 16. J'approche. 16 sur 9,5. Il en faut 2. 16 sur 9,5. Donc, ces petits bouts de papier, on va les faire tous les deux pareils. Moi, j'en ai déjà fait un. Mais je vais vous montrer les dimensions pour les plier. Donc, vous allez les tenir comme ceci sur les 16. On rentre dans le coupe-papier. Toujours avec la version qui plie, hein, pas celle qui coupe. Et on va plier à 7 cm. À 7. Et à 14. À 7 et à 14. On plie à 7 et à 14. Voilà. Voilà. Donc vous allez vous trouver avec deux morceaux comme ceci. Voilà, on a plié à 7 et à 14. Ce qui fait qu'ici, on a une petite bordure ici. Et là, ça fait 7 et 7. Donc comme ça, je rappelle, on en fait 2. De 16 sur 9,5, plié à 7 et à 14. Alors, pour le plier, vous allez prendre la petite bordure ici dont je vous parlais sur votre gauche. Et vous allez replier comme ceci. Les 2 fois 7 ensemble. Donc, c'est tout simple. On va faire la même chose avec l'autre. On met la bordure à gauche et ici, on va plier les 2 fois 7. Donc, on se retrouve avec deux morceaux. Maintenant, on va s'occuper de découper le papier à motif. Donc, vous choisissez quelque chose en coordonnées, bien sûr, qui fera joli avec votre papier uni. Et il va vous falloir 4 morceaux de 9 sur 6 et demi. 9 sur 6 et demi de papier à motif. D'accord? Alors, moi ici, j'ai utilisé ce papier-là. Ce n'est pas le papier de la collection Gru Porte-bonheur, c'est le papier qu'on a justement, comme je vous parlais tout à l'heure, de la promotion Celebration. Donc, c'est un papier qui vous est proposé dans la promotion Celebration, qui vous est proposé gratuitement. Donc, ça, c'est un lot, c'est pour 120 € d'achat. Vous aurez ce papier-là en cadeau avec un set de tampons en plus. Il va avec des fleurs, des petits oiseaux, etc. Donc moi j'ai utilisé un papier de ce lot-là. Donc vous avez pas mal de choix dans ce papier. Des verts dans les tons violets. Voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Et le set de tampons qui va avec les petits oiseaux, etc. qui est sympa. Je vais aller vous le chercher, je ne l'ai pas sous la main. Je ne sais pas trop où il est, je ne le retrouve pas. Je pensais qu'il n'était pas loin, mais. Ah, il est là. Il est là. En fait, il était trop près. Donc voilà. Donc vous aurez pour 120 € d'achat, donc vous faites vos achats dans la boutique. Et en plus, si vous avez l'opportunité de choisir ce lot-là, donc le set de tampons coucou amical, avec le petit oiseau, les fleurs, les petits vœux, etc. Plus donc ce papier-là que je vous parlais, que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est très floral, donc qui peut faire belle chose pour le printemps, très frais. Et ça, vous ne le paierez pas, ça fera 0 €. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de choix, et ça, c'est grâce à la promotion Celebration. Celui-ci, je l'avais utilisé la semaine dernière sur mon autre live de mercredi dernier pour faire des petits rideaux. Vous avez celui-ci également. Et celui-ci qui est couleur un peu pêche, noir et blanc. Ici les petits points, les petites fleurs. Vous voyez, il est quand même pas mal ce papier. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser celui-là aujourd'hui. Alors, on va revenir à nos moutons. Donc, il vous faut 4 papiers à motifs. De 9 sur 6,5.
Alors ça, c'est pour, vous l'avez deviné, c'est pour coller ici sur nos petits volets. On va les appeler nos petits volets. Donc, on va prendre notre colle et on va commencer donc à mater nos petits volets avec le papier à motif. Alors, vous pouvez aussi choisir de prendre du papier, enfin du double face, hein, si vous préférez travailler avec le double face. Ça, c'est une question de choix. Moi, je ne prends pas trop parce que avec la colle, on peut recoller, reglisser, etc. Et ça m'évite bien les désagréments. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas prendre de colle. Donc, je viens mettre donc mes deux morceaux ici comme ceci, hein, sur la même. Non, stop. Je vais ouvrir ma carte parce que c'est pas. Si, c'est sur la même. J'ai ça comme ça. Oui, c'est sur la même côté. Pas que je me trompe aujourd'hui, hein, que je fasse un effort. Sur le même côté, on met les deux papiers à motif. Voilà. Et ici, on va mettre donc le plus fin, là, celui de 9 sur 1,5. Donc on essaie que ce soit vraiment bien avec le même espace tout autour et que ce soit bien aligné avec ceux d'à côté. On va faire la même chose avec l'autre. Comme ça. Voilà. Il est beau celui-ci, cette petite fleur blanche sur le fond comme ça. C'est pas pêche, c'est notre nouvelle couleur, c'est papaye. Papaye quelque chose. La couleur, c'est pâle papaye. Papaye pâle, voilà. Je trouve que c'est joli, ça fait des tons un peu pastel là. C'est très beau. Voilà. Oui, c'est vrai que cette couleur-là est belle. Vous allez voir, dans les semaines qui suivent, je vais vous proposer une autre carte encore faite avec ce papier et en combo avec le vert, l'autre avec les fleurs vert un peu vert clair, là, vert d'eau. Ce sera une carte avec un pot de fleurs qui sera sympa pour toutes les fêtes. Donc ça, ce sera une prochaine fois. Je vous la montrerai. Une semaine avant, comme d'habitude. Mais vous allez voir, hein, on peut faire vraiment de belles choses avec ces papiers. Donc voilà, j'ai fait mes deux morceaux. Voilà. Ah, Edith qui vient d'arriver. Bah oui, tu regarderas en replay, pas de souci. Donc on a nos deux petits volets. Voilà, c'est vrai qu'elle est belle cette carte. C'est Scrooge Patsy, mais qui a de belles choses. Et j'ai bien regardé sa vidéo et je vous ai tout recopié pour le faire tout doucement. Alors ensuite, on va prendre nos deux volets qui sont prêts ici. On va les mettre sur le côté. On va prendre, ça je le pousse parce qu'après je vais encore le chercher. On va prendre notre corps de carte comme ça. Alors le premier ici en montagne et le deuxième ici cuic en vallée. Alors après, on va prendre un des volets, un des deux volets. On va venir le placer donc ici sur la partie basse. En bas à gauche. Attendez, je réfléchis. On collera les autres papiers après parce que je sais pas trop. On les collera après les autres papiers. C'est pas la peine de s'embêter avec ça. Alors, on le met bien pour qu'il soit positionné tout autour avec. Bien au milieu, voyez ici en bas, en haut, sur le côté, j'ai à peu près 1 ou 2 mm. On va prendre, donc soit on le fait en direct, mais bon, ce serait bien quand même qu'on prenne le milieu, hein.
Ce qu'on va faire avant pour être sûr d'être bien droit, pour pas avoir les yeux qui birloutent, on va prendre ici notre volet. On va prendre un petit petite règle. Donc 9 et demi, on va prendre la moitié. Donc ça fait 4,75. Donc on va se mettre à peu près là au milieu parce que là ça fait 9 et là ça fait 9 et demi. Donc 4,7 plus un petit peu. On va se mettre un petit peu notre un petit point ici. Voilà. Maintenant, on va le mettre ici au milieu. Donc là, on avait 2 cm. Donc, on va se mettre au niveau de notre point et on va se placer à 1 cm. On va se faire une petite croix. Voilà. On va gommer notre premier trait de repère ici. Et comme ça, on va se retrouver avec une petite croix là, bien dans le milieu, centrée aussi bien en hauteur qu'en largeur. Comme ça, on va pouvoir prendre notre chose là à faire les trous, perfois trous, et on va venir donc faire notre trou ici, juste au niveau de la croix. Ensuite, on va. Attendez, je regarde. 2 minutes. Ensuite, on va repositionner notre carton là où il est le mieux, c'est-à-dire bien centré avec 2 petits millimètres de chaque côté. On va prendre un crayon de papier et on va faire un petit rond, une petite marque à travers du trou qu'on vient de faire. Comme ça, on est sûr d'être pile poil comme il faut et on va faire un trou également ici. Si ça veut bien partir et je viens me placer en dessous et je perce. Donc j'ai aussi le petit trou. Ensuite, on va revenir ici, on va mettre notre petit volet sur notre trou et c'est là qu'on va aller chercher après les attaches parisiennes. Moi, je me demande si la mienne, elle n'est pas un peu grosse. Mon attache parisienne. Ouais, elle va pas bien glisser. Je vais m'en reprendre une autre. Ça dépend du trou que vous faites, mais moi la mienne, elle est petite. Enfin, je vais prendre une plus petite attache parisienne. Alors, je m'en fiche de la couleur puisqu'on va pas le voir. Hein. Celle-ci, c'est Nimbus. Comme ça, je suis sûre que ça va bien glisser. Donc, je passe. Je mets tout simplement mon attache parisienne. Je retourne et bien sûr, je fais comme ceci et comme ceci. De l'autre côté. Donc voyez, ça va bien coulisser. Donc ça, c'est pour le numéro 1. L'autre volet, on le mettra après parce qu'après, je vais me gourer de sens. Alors, bon. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième volet. Vous allez venir le mettre, le positionner ici, mais plus comme ça, mais comme ça, dans l'autre sens. Avec la petite petite barre ici à droite. Vous allez faire pareil, donc vous allez prendre la moitié comme on vient de faire avec mon crayon de papier. Je reprends bah, la même chose hein, puisque c'était toujours 9,5, donc je vais prendre 4,75 environ ici. Je retourne et maintenant je vais me placer correct à 1 cm pour que ce soit centré dans un sens comme dans l'autre, avec ma petite croix comme tout à l'heure. Ensuite, je vais reprendre ma crocodile. Ah, j'ai retrouvé le nom, ma crocodile. Hop. Et je gomme un peu l'excédent. Et vous venez vous placer ici devant avec votre trou à droite. Comme tout à l'heure, vous allez centrer tout correctement pour avoir 2 mm de chaque côté. Un petit point de crayon ici. Un petit trou ici. Par contre, cette fois-ci, on ne va pas le mettre ici devant. On a notre trou ici. On va retourner
on est sur l'envers. On va prendre notre trou ici, on va le poser sur le trou. On va reprendre notre deuxième. Attache parisienne. Et on fait comme tout à l'heure. Voilà, ça fait qu'on se retrouve avec une en dessous et une comme ça. On va revenir ici, dans le premier sens de tout à l'heure. Celle-ci, on va la replier. Voilà, donc on est ici à la première. Voilà, avec notre premier volet en bas, le second, il est de l'autre côté. Donc ici, on va venir prendre ma petite règle. On va se donner un périmètre, donc à partir du bord droit de la feuille, on va se faire environ 1,5 cm, une petite marque, 1,5 cm, une petite marque. Alors, soit vous tirez un trait ici, soit vous ne le tirez pas, mais c'est juste pour vous repérer en fait, pour ne pas mettre de la colle trop loin. Vous allez mettre de la colle ici, donc en haut à droite. Donc, moi après je le gommerai, hein. C'est parce que c'est pour vous montrer, parce qu'après on va le voir. Là et là, et je vais vous montrer. Voilà, votre colle, vous allez la mettre ici, en haut à droite. Tu focus ou quoi? Là et en bas à droite. Environ dans le même périmètre. C'est pour ça qu'on a fait une petite remarque. C'est pour ne pas aller s'en coller ici, pour en foutre plein la carte, etc. Donc, moi, je vais gommer mon petit périmètre parce qu'après, j'ai peur que ça se voit. Mais bon, en général, si on n'est pas trop babache, on arrive bien à repérer quand même à peu près où est-ce qu'on doit mettre la colle. Alors, on prend notre colle. Et on va venir ici, donc se faire un petit rectangle. Donc là, on a le gabarit dans les yeux. Hein. Juste que là, de colle. En haut à droite et en bas à droite. Voilà. Quand on a fait ça, on va tout simplement plier. Donc toi, tu t'en vas. On va plier la carte. Comme ça. Notre colle, elle est là, elle est là. Alors, on appuie un petit peu. Ou, on est malin, on a des petites pinces sous le coude et on va pincer là et pincer là pour tenir un petit peu. Pendant ce temps-là, que ça sèche un petit peu, nous allons donc découper notre papier à motif pour le devant et pour le derrière, si je retrouve mon bouchon qui est là. Alors, oui, et ben, ça m'aurait étonné. J'ai oublié carrément de faire les petits, de rentrer les petits trucs ici. Bon, ça c'est malin. Normalement, avant le volet ici, il fallait passer le petit ruban ici en dessous. Bon, moi, je vais refaire autrement, tant pis pour moi. Hein. De toute façon, ça m'aurait étonné. À chaque fois, je fais une bêtise, alors. Bon, alors, on va pas penser à ça. Vous ne ferez pas la même que moi. Alors, mon deuxième papier à motif, j'ai choisi celui-là. Alors, on va découper deux morceaux. Donc, pour le devant et le derrière, de 12 cm sur 9,2. C'est d'un précis, ma chose, ici. 12 cm, donc ici. Je vous le remontre à la caméra. 12 cm sur 9,2, on en fait 2. Alors, 12. Sur 9,2. En voici un. Et voici le deuxième. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais reprendre mon papier ici pour rattraper mon erreur. Je vous expliquerai après. Donc, notre petit papier, voilà, ça c'est pour un devant.
Oui, je pourrais décoller, mais j'y crois pas, Nathalie. Je crois que si je décolle, ça va tout m'arracher. Alors, voilà. Mais tu sais, j'ai pas pensé. En fait, j'aurais dû la refaire, cette carte. Voilà. Alors, je vais regarder, hein, mais bon, si je décolle, bon, vous voyez les petits volets ici. En fait, avant de venir. Oui, je peux les coller sur les dessus et cacher par un petit déco. Oui, c'est ce que je voulais faire, du coup. J'avais envie de faire ça, oui. De toute façon, j'ai pas le choix. Alors, je vais le faire avec vous, devant vous. Alors, normalement, vous devez le faire. Mais qu'est-ce que j'en ai fait, Elia? Normalement, vous devez le faire avant. Donc, vous l'avez compris. Vous vous découpez un petit bout de ruban. Alors, vraiment pas grand-chose, hein. C'est de quoi faire une petite boucle comme ça. Et vous deviez le coller. Donc, ici, alors, je vous montre. Vous deviez, en dessous du papier, mettre un petit bout du ruban ici et un petit bout ici. Là et là, la boucle, elle va faire ça. Donc moi, je vais le faire, mais au-dessus du papier. Mais c'est mieux de le faire en dessous. Hein. Voilà, vous vous en doutez. Donc, je vais couper un petit bout. Et oui, je vais mettre un petit. Pour le moment, je vais le mettre au-dessus comme ça. Puis je mettrai peut-être un autre petit ruban par au-dessus, pourquoi pas. Si je remets un petit ruban. Un autre petit ruban. Bien mettre le ruban et faire une petite bande. Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà, alors, donc pour le coller, il fallait mettre un petit bout. Donc ici, voilà. Et après, on va le replier comme ça et on va recoller ici. C'est juste pour faire la tirette en fait. Alors moi, je me souviens qu'en dessous, j'avais mis non seulement de la colle, mais j'avais mis aussi un bon morceau de scotch pour dire que ça tienne bien. Donc voilà quoi, hein, ma petite Prisca. Donc je mets ma colle. Hop. Alors, j'espère maintenant que je ne me trompe pas de côté. Oh là 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 là. Il est où ma carte? Oui, c'est chaud hein, quand même. Bon, vous savez quoi? J'ai bien envie de le faire. Je vais le mettre comme ça, mais j'aurais dû le faire après parce que l'essence. Faites comme moi. Ne mettez pas vos papiers design en premier, vous les mettrez après. Comme ça, vous savez où mettre les petits rubans. Non, 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 je m'inquiète pas. Elle me connaît bien, la petite Laurie. Hein. Elle sait bien que je suis en train de, de paniquer. Non, ça va aller. Je m'en fais plus pour tout ça, Laurie. T'inquiète pas. Il y a bien d'autres choses à s'inquiéter dans la vie en ce moment. Hein. Et on sait de quoi on parle, hein, Laurie? Donc voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vous aurais expliqué le système. On va revenir à nos moutons. Hein. Tant qu'à faire, parce que là, du coup, je suis un peu paumée. Donc, la deuxième, l'autre, vous la repliez. La deuxième, ici, ben, c'est tout simple. Vous allez la replier aussi. Donc, ben, vous voyez, j'étais bon. Ici, vous avez donc votre petite manique pour le prendre. Et l'autre, ici, ben, elle sera ici. L'autre petit morceau de ruban sera ici. Parce que quand vous fermez la carte, vous avez. Donc, je ne prends pas par la manique, hein, parce que je vais l'avoir dans la main. Vous avez une qui vient comme ça. Et vous avez l'autre en dessous. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, il va falloir quand même coller le papier. Alors, ici, j'ai replié ici comme ça. Donc, ici, je vais regarder sur mon truc quand même, parce que. En fait, cette carte, je l'ai fait qu'une fois. Et puis, comme un malin, je me suis dit, oh, bah, tu vas savoir la refaire, ma petite Prescott. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Alors, ici, on va plier comme ça. Là. Et on va mettre de la colle. Cette fois-ci, on a le droit tout du long. Il n'y a plus de petits passages. Alors, sur 1,5 cm aussi. Hein, pas tout du long, toute la largeur. Hein, toute la hauteur. Mais pas toute la largeur, hein. Vous faites comme tout à l'heure, hein. Vous mettez voilà, juste un petit peu. On va refermer. Et on va remettre nos petites pinces à linge qui vont bien pour que ça serre tip-top. Donc ici, j'ai mon truc en haut qui va faire comme ça. Et ici, ben, j'en mettrai un aussi en bas pour tirer comme ça. On est pas mal, Tintin, on est pas mal. Voilà.
Donc, ensuite, on avait, je vous rappelle qu'on a découpé nos deux morceaux de 12 sur 9,5. Il y en a un qui va aller devant, il y en a un qui va aller derrière. Quand ce sera collé. Oui, tu reprends un replay, comme ça tu... Bah comme ça, en replay, voilà. Fais pas l'erreur, hein, colle bien tes rubans en dessous. Au moins, ça va servir à quelque chose. Alors, bah, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer, comme ça va bien sécher. On va se préparer notre petit embellissement ici, là. Bouchon. Alors, cet embellissement, je l'ai fait donc avec le set de tampons Gru Porte-Bonheur, qui est dans mon cœur depuis que je l'ai vu. Et là, cette fois-ci, j'ai pris la petite fleur parce qu'à chaque fois, je prends toujours la grue. Là, j'ai dit, tiens, je vais prendre cette fleur que je trouve vraiment sympathique. Donc, j'ai mis ça sur un bloc acrylique. Je vais prendre du papier cartonné blanc. Ici. Et je vais tout simplement la tamponner. Alors, ça va vous faire des effets de professionnels avec des couleurs différentes, mais vous n'avez rien à faire, hein. Parce que grâce au tampon de Stampin' Up, vous allez avoir des effets de couleur juste en tamponnant. Bon, ça, si c'est pas bien, hein. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre la couleur tomate. Je crois que c'est déjà celle que j'avais prise la dernière fois. Et je viens ancrer mon tampon magique. Hop, je crois que là, c'est bon, hein. Donc, on le met sur notre papier. Vous voyez, en un seul tamponnage, j'ai vraiment deux couleurs. Alors ça, c'est vraiment tip-top. Hop. Alors, je vais prendre la découpe qui va avec. Donc moi, je les range ici à l'intérieur du même de la même boîte. Donc c'est la découpe du lot. Et le lot dont je vous parle et dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Il va se trouver donc dans notre catalogue qui vient de sortir le 4 hein, janvier. Super sympa. Et ce lot, donc de toute façon, il va falloir que je vous en parle d'un autre. Ah ben, c'est pas le bon catalogue, hein, Prisca. Hop, 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 on va continuer. Tiens, non, c'est celui-là. C'est celui-là. Et, oui, c'est bien marqué. Depuis janvier, le 4 janvier. Et c'est à la page 24. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas fini de vous en parler, hein, de ce lot. Il est à la page 24 et vous aurez 10% en moins si vous prenez les deux, donc le lot de tampons et de découpe. Et la référence, c'est le 15 76 64 pour 56,50 €. Et vous pouvez l'avoir dans ma boutique en ligne. N'oubliez pas d'ajouter le code hôtesse pour avoir un petit cadeau supplémentaire. Donc, les petits cadeaux supplémentaires, c'est carrément un produit Stampin' Up. C'est pas... voilà, c'est un produit Stampin' Up que je vous renvoie en plus. Plus la promo Celebration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le bon moment pour se faire plaisir. Alors ici, je viens juxtaposer ma découpe avec mon tamponnage. Voilà. Je mets un petit washi. Je vais passer ça dans la Big Shot qui est à côté. Bon, je la mets pas là parce que comme c'est souple, après une Big Shot, vous la découpez en fait sur votre appareil pour découper. Voilà. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Et comme ça, j'ai ma découpe de préparer ici de fleurs pour la mettre après quand ça va être sec. Alors ensuite, on va continuer avec, on va reprendre le tout. On va enlever nos petites pinces. On va venir ici se coller le papier à motif sur la première page et sur le dos. Moi, j'ai bien aimé cette carte. Dès que je l'ai vue... on voit beaucoup de cartes comme ça qui se coulissent, mais comme ça, j'avais encore jamais vu.
Donc dès que je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça c'est quand même pas mal. Donc ici, je vais essayer de la refaire. Voilà, donc ici, normalement, vous avez la même bordure tout autour et on va mettre de l'autre côté. Je pense que ouais, ça aurait été peut-être plus facilement 9 que 9,2. Je sais pas pourquoi j'ai 9,2. Comme ça vient cacher le la tache parisienne de l'autre côté. Voilà. Donc ici, on va avoir donc notre petite chose ici à tirer. Et en bas, on va tirer par le bas. Ici, bon là, j'ai pas mis mon ruban. Et on a bien notre carte, voyez. Ici, vous allez replier les deux volets. Et c'est donc ici que vous allez mettre soit un papier uni ici dessus pour écrire. Vous remettez un papier uni. Soit vous mettez deux papiers à motif pour recontinuer à mettre de la photo. Comme ça, vous pourrez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos à l'intérieur. Ça vous fera un petit mini. Ou alors 5 photos. Et ici, vous écrivez juste si c'est une carte que vous voulez envoyer. Imaginez, vous avez un anniversaire de quelqu'un. Vous lui écrivez joyeux anniversaire. Et ici, vous pouvez lui mettre 5 photos avec la personne quand elle était petite. Ou voilà. Ou un événement particulier pour un baptême ou quelque chose que vous avez vécu ensemble. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Donc vos volets ici, soit vous les mettez en uni. Ou alors vous les garnissez, vous les matez encore avec du papier à motif. Voilà. Donc moi ici, je ne vais pas poursuivre, ça ne sert à rien, je vais la finir. Puisqu'il faut que je m'occupe à cacher mes petits rubans. Donc vous voyez, elle est sympa, hein, le système comme ça. Et ça coulisse très bien. Voilà, elle se présente comme ça. Donc ça fait un peu pour coulisser. Ça coulisse très bien grâce au, bah, grâce aux attaches parisiennes. Là, il n'y a pas besoin de tirer, de casser quoi que ce soit. C'est bien pratique. Voilà, bon après c'est de la décoration, hein, les filles, vous avez juste qu'à coller votre décoration. Donc moi je mets celle-ci, vous, ce sera peut-être autre chose, hein, puisque cette carte, vous pouvez la décorer sur les thèmes de votre choix. Hein. Ça peut être des cartes de Noël, ça peut être des cartes pour le Nouvel An, pour la fête des mères. Après c'est votre imagination qui fera le reste. Et ici, bah, vous allez juste rajouter un petit vœu, comme moi j'ai fait. Ici, j'avais mis le vœu que la chance vous sourie. Donc là, c'est plus pour des cartes de Nouvel An. Voilà, qui un peu porte chance, puisque vous avez des vœux, meilleurs vœux, etc. Donc moi, j'avais mis ici que la chance vous sourie. J'avais découpé avec cette perforatrice là que j'ai, que je trouve sympa aussi. Je me sers assez souvent. Vous avez deux ovales, donc un pour l'extérieur et un pour le vœu à l'intérieur. Ça peut faire juxtaposer, ça peut être sympa aussi. Et puis voilà, j'avais mis un petit ruban en dessous et là j'avais mis un petit embellissement. Donc j'avais rajouté deux petits bijoux, hein, on appelle ça, pour faire joli. Voilà, donc je vous montre l'original, hein, puisqu'elle est terminée celle-ci, j'avais pas fait l'erreur. Hop! Et hop, c'est vrai que cette carte, elle est facile, vous voyez, on ne voit pas la difficulté de cette carte. Et par contre, elle paye de mine, comme on dit, elle est pas commune. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce système-là pour replier. Bien voilà, bah moi je vais terminer la mienne, hein. Ici, je vais peaufiner un peu les choses et la faire un... corriger un peu cette erreur de ruban, je vais ranger un petit peu et je vais vous montrer mon projet pour la semaine prochaine. Donc normalement c'est 13h30, j'espère, Laurie, je te jure, hein, j'espère pouvoir le faire à 13h30, mais là aujourd'hui j'ai une petite surprise, donc j'ai pas pu, donc, comme je t'ai expliqué, donc j'étais pas là, mais dès que je peux je fais 13h30, donc je la programme à 13h30, hein, on va croiser les doigts et je vais vous montrer ce que je vais vous proposer, ça va être simple. Alors, je voulais vous proposer un projet un peu plus élaboré. Il s'agit d'un petit album également qu'on appelle sous-main. Donc, c'est quelque chose qui peut être posé sur un bureau. Bon, ici, je l'ai décoré en version bébé, mon bébé bonheur. Toujours avec, là, je ne suis pas encore sortie, hein, de mon coup de cœur. Donc, toujours décoré avec ça pour cette fois-ci.
Mais quand je la ferai avec vous, je la ferai certainement avec un autre tamponnage pour vous montrer quand même autre chose. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, vous avez une petite pochette avec un mini-album qui se cache ici à l'intérieur, où vous allez pouvoir mettre des photos donc du bébé, etc., selon le thème que vous avez choisi. Donc ici, vous en mettez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous mettez quand même 10 photos. Je vais coller ici. Voilà, 10 photos. Et ensuite, vers le bas, donc ici, vous avez, donc ça avec un aimant, comme ça, qui s'ouvre comme ceci. Là, c'est pareil, j'ai fait une petite pochette, comme ça. J'ai fait un peu avec des petits animaux pour cette fois-là. Un petit tag. Et ici, on peut mettre encore deux photos. Donc, je ne sais pas encore sur quel thème je vais vous le proposer mercredi prochain. Mais bon, voilà, on en met quand même donc une 10. Là, ici, si on veut, on peut mettre une photo, hein. 11, 12, 13, 14, une quinzaine de photos. Donc, peut-être pour un petit événement, un cadeau naissance. Voilà, plein de petits projets. Donc, ici, vous voyez, c'est une couverture quand même en solide, hein. Voilà, donc si vous avez du SilverTex, un petit peu préparez-le. Moi ici j'avais un petit bout. Je l'ai toujours refait avec ce papier-là, un peu plume. Je trouvais que ça allait bien avec la version bébé. Et j'ai associé porte-bonheur avec bébé bonheur par rapport à la collection. Voilà, donc la semaine prochaine, on se fera ça. Donc on se fera surtout l'important, c'est la structure. Je vous expliquerai les mensurations pour faire la couverture. Et pour faire le petit mini ici, bon, qui est très vite fait. La pochette et ici bah ça aussi hein. Donc je vais essayer de faire en une fois pour dire de bon après vous pourrez le faire en replay mais bon je vais pas peut-être pas mettre deux fois pour le faire mais bon c'est pas trop hein. Mais bon voilà le prochain ma prochaine vidéo voilà et eh bien écoutez je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui j'espère que ma petite carte mon petit projet ici vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis, travaillez bien, continuez à faire de belles choses. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto sur les pages des cartes pour le dire. Voilà, merci bien. Au revoir les filles, à bientôt!